dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombie de Carl Quint, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des gamelles au conscrit, enceinte jusqu'au fond des yeux quand on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse, femme dévoreuse de minet, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme directeur artistique, une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, vers le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des camels au planton. Major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, et mais ici impératrice, enceinte jusqu'au front les yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Femme, pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'aux portes-jartelles, et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence, et de la faire bander la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte des halles, vendeuse aux puces, on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aimerait sans soutien-gorge. Des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine Carl Quint, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en valoir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des gamelles au conscrit, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire prendre la France.